Good morning, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le lundi matin, il y en a Ben Hana, Peggy, Batester, Nissim, Ben Aouda, et aussi Lirfouat, Ruth, Bat, Claudine, Traina, et Naftali, Ben Silka, Léa, Betor, Chachol, Israël. Si vous souhaitez vous aider, la prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma secrète de Yot, Ferek Zain, Mishnah Zain. Hem, he, idou, à la rouchot, shel nachtomim, shehem, tmeot, shabi, lezer, metaher. Hem, he, idou. אל תנור שחיתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה שהוא טמא שרבי אליעזר מטהר הם העידו שמעברים את השנה בכל אדר שהיו אומרים עד הפורים הם העידו שמעברים את השנה על תנאי ומעשה ורבן גמליאל שלח ליטול רשות מהגמון בסוריה ושאל לבוא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה רבן גמליאל וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת. On continue avec les témoignages de Rabbi Yoshua et de Rabbi Papias, avec quatre nouveaux sujets. Premier sujet dans Masechet Kelim, un sujet de Touma et de Tahara, les deux premiers en fait. Et donc on commence premier témoignage. Hem eidu al aruchot shel nachtomim. Ils ont témoigné sur les aruchot, ça peut se transformer avec aruchot, avec un haïn, c'est un endroit parce qu'on est orer le pain. En fait, c'était des sortes de plateaux sur lesquels on disposait les pains, on les pétrissait. C'était des plateaux en bois, sans rebord, c'est là tout le principe. Et ils ont témoigné que ces planches de bois, en fait, étaient impures. Il fallait les rendre impures, tandis que Rabbi Eliezer pensait qu'elles étaient pures. De quoi on parle précisément? C'est pas compliqué. Une notion que, tout d'abord, selon la Torah, « Pshute kli etz lo mekablim tuma ». Une règle qu'on a déjà évoquée, que selon le matériau selon lequel les ustensiles sont faits, il y a des propriétés particulières, comment ils communiquent la Touma, à partir de quand. Et pour les ustensiles qui sont en bois, il faut nécessairement qu'il y ait un récipient, un ustensile avec des bords qui puisse contenir, un ustensile qui contient. Par contre, si c'est ce qu'on appelle un pshute kliets, on pourrait faire un rouleau à pâtisserie, ou bien en l'occurrence, un plateau mais qui n'a pas de rebord, alors en théorie, il ne reçoit pas, selon la Torah, il ne reçoit pas la Touma. Ça s'appelle un pshutek lietz, il n'a pas de rebord, c'est pas un ustensile qui contient. Malgré tout, Chachamim ont dit que des ustensiles qui sont en ce qu'on appelle pshutek lietz, qui sont simples, c'est-à-dire sans rebord, ils sont étalés, étendus, Chachamim ont dit que malgré tout, lorsque ça devient un ustensile, quelque chose que tu utilises fréquemment, alors ils lui ont décrété une Touma, de manière à ce que les gens vont mieux faire attention comment ils vont manipuler les taharot, les nourritures pures chez eux. C'était une barrière qu'ils ont fait. La question maintenant, elle est de savoir, ces petites planches sur lesquelles on dispose le pain, est-ce que c'est des vrais ustensiles? En fait, non, ça peut être n'importe quel... C'est-à-dire, c'est sûr qu'on utilisait n'importe quelle planche. La femme, elle ouvrait l'armoire à outils de son mari, elle trouvait là-bas un bout de planche, elle se mettait à l'utiliser, d'accord? Donc en fait, ça ne devenait pas un vrai ustensile. Ça prenait pas encore un vrai statut d'ustensile. C'est pour ça qu'il y a une marque justement. Rabbi Eliezer, lui, il disait que c'était pur. C'est pas un ustensile. Un ustensile, c'est quelque chose que, certes, c'est devenu une planche, mais que tu ranges constamment, tu fais attention à le nettoyer. Mais quelque chose que sur le tas, tu l'as trouvé, tu l'utilises un petit peu, puis demain, le mari va vouloir le récupérer pour construire une armoire, elle va le lui rendre, ça prend pas un statut d'ustensile. C'est juste une planche sans aucune définition. De ce fait, c'est pas Mekabel la Touma, selon Rabbi Eliezer. Ça ne peut pas communiquer l'impureté. Tandis qu'eux, ils ont témoigné, non, à partir du moment où elle a décidé de l'utiliser, alors on considère que c'est déjà devenu un pshutek li'etz, qui est Mekabel Touma de Rabbanan. C'est devenu un ustensile en bois qui n'a pas de rebord, certes, mais malgré tout qui communique une Touma de Rabbanan. Deuxième sujet de la Mishnah. Hem eidu altanur shechitro chuliot. Ils ont aussi témoigné sur un fourneau qu'il a coupé en chouliot, en tronçons, en morceaux, en tranches. Venatan chol ben chulia le chulia, et ensuite il a mis du sable entre chacune des tranches. Shehu tamé, ils ont témoigné qu'il était impur. Shehrabi Eliezer metaher, et Rabbi Eliezer le rendait pur. Pour ceux qui connaissent la fameuse histoire du Tanuro Shalachnaï de Baba Metzia, c'est bidouk celui-là. Tanour Shalachnaï, il est appelé dans la Gemara, il y avait toute une histoire autour de ce tanour, à cause de ça, Rabbi Eliezer, ils l'ont mis en quarantaine. En tout cas, concrètement, de quoi on parle? Les tanours, un fourneau de l'époque, comment ça se présentait? C'était une sorte de gros chaudron qui se présentait sous forme à l'envers. Il n'avait pas de socle. Le socle, c'était la terre elle-même, ou peut-être on lui faisait aussi un socle, des fois dans la Gemara, c'est machement aussi comme ça.
on le mettait des pierres et on le mettait dessus. Et puis comme ça, on mettait le combustible à l'intérieur et ça devenait chaud, on faisait entrer le pain à l'intérieur. Ça, pour le moment, c'est un ustensile qui est Mekabel Touma. Il communique l'impureté. Pour qu'il cesse de communiquer l'impureté, il faut lui annuler sa Torah de Kli. Si on le casse, n'importe quel ustensile qu'on casse, qui n'est plus du tout utilisable, alors il perd son statut de Kli, donc il ne communique plus la Touma. Ensuite, si je me débrouille à récupérer les morceaux sans les relier, sans les recoller, donc en fait je vais me débrouiller pour les disposer un sur l'autre comme ça et continuer à les utiliser. Alors pour le moment, j'ai réussi à avoir un four qui ne communique pas d'impureté. C'est très important que si je suis un Kohen et je veux faire mes chalot de Touma ou même de Chala, et donc je les fais sans qu'elles deviennent pures, c'est important hein, que pour diminuer au maximum l'exposition à la Touma, d'avoir un tanour qui ne peut pas recevoir d'impureté comme ça. Même si un chéretz mort qui va le toucher, il ne va pas devenir impur. D'accord ? D'où l'intérêt très important pour, à l'époque, de se débrouiller à avoir un tanour qui ne communique pas l'impureté. C'est ce qu'on cherche à avoir. D'accord ? On pourrait le faire de manière fixée au sol, c'est le top, si on prenait des pierres, mais pas tout le monde a les moyens de se faire un tanour en pierre. On préfère avoir cette sorte de tanour un petit peu... on aimerait bien trouver un petit tanour comme ça, qu'on peut déplacer facilement. Alors, de ce fait, il y a éventuellement une solution selon Rabbi Eliezer que Chachamim sont holkim. Ça consiste à prendre ce gros chaudron, on le casse, on le coupe en tranches. Donc pour le moment, il n'a plus de statut. Après, on va aller redisposer un sur l'autre. Bien sûr, bien évidemment, ce n'est pas utilisable. Dès que quelqu'un va le toucher un peu, il va s'effondrer. Ce n'est pas une solution. Donc il va falloir le fixer. Pour le fixer, alors, ça se passe comme ça. On met un petit peu de sable. J'imagine que c'était du sable un petit peu collant, je suppose. Qu'on met comme ça entre les chouliottes, de manière à ce que maintenant ça se fixe bien. Non. Ouais, d'accord, ça, le sable ne collait pas, c'est sûr que ça ne collait pas. Donc on va expliquer pourquoi il a fallu mettre du sable. Comme ça il se présente pour le moment. Il y avait un tanour, donc ils ont coupé en chouliottes, ils l'ont mis en tranches. Ensuite, Benatan Chol ben Chulia ve Chulia, il a disposé du sable entre toutes les chouliottes. Donc maintenant, pour le moment, il s'est retrouvé avec un tanour qui ne communique pas l'impureté, étant donné qu'il n'est pas fixe. On ne peut pas le prendre et le retourner, il va tout se casser si on commence à le toucher. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, pour qu'il garde bien sa chaleur, alors on prenait ensuite du tit, du mortier, du ciment, et on l'étalait tout autour, comme ça conserve bien la chaleur. Le problème, justement, il est que maintenant que tu as étalé tout autour ce ciment autour de ce fameux fourneau, alors il s'avère que maintenant, le four, il s'est refixé. Ça veut dire que d'un côté... D'abord, qu'on soit clair, l'histoire du ciment lui-même, si tu faisais un ustensile avec ce ciment lui-même, ça aurait aucun sens, ça serait pas un ustensile. C'est trop faible, trop fragile. Maintenant, ce qui se passe, c'est que d'un côté, tu as ton tanour qui pouvait être des tranches d'argile, par exemple, qui n'est pas vraiment fixé avec un avec l'autre. Mais malgré tout, tu as mis ce titre à l'extérieur qui va maintenant réussir à le reformer comme une entité, qui n'est pas tellement solide d'un côté, puisque de toute façon tu remarques que même entre les tranches d'argile, t'as laissé du sable à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il n'est pas vraiment fixe, mais d'un autre côté tu as réussi à les coller. Alors comme vous comprenez que son statut il est un peu délicat, ben, ça fait justement l'objet de cette discussion. Que Rabbi Eliezer lui disait que c'est tahor, le mortier que tu as mis à l'extérieur, eh ben, c'est un bon moyen, c'est comme si tu avais pris du scotch et tu as réussi à le coller à l'extérieur, ça ne va pas transformer ça en vrai ustensile. Eh ben, c'est la même chose, tu as étalé du tit, de ce mortier, du ciment, ça part devenir un vrai tanour. Tandis que Chachamim nous ont dit, ben non, puisque maintenant ça s'est refixé de manière uniforme, comme ça, propre, et ben, ton fourneau, ton chaudron retourné là, il a repris un statut d'ustensile. D'accord ? C'était la deuxième discussion. Maintenant, troisième discussion dans la Mishnah. Heme idu, sheme abrim et ashana bechol adar. Shayu omri et madapurim. Les deux prochaines discussions qu'on va voir, sujet qu'on va voir dans la Mishnah, vont porter sur le Hibour Hashana. Vous savez bien qu'il y a des années dans l'année, les Bnei Israël, on compte l'année selon le cycle lunaire, donc ça s'appelle l'équivalent de 355 jours, en général, 55, 56, 57, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a parlé dans les jours précédents, est-ce qu'il y a deux Cheshvan, deux Kislev. En tout cas, concrètement, donc, on compte en lunaire. Seulement, il y a un problème, c'est que le calendrier solaire, lui, il fait 365 jours. Et la Torah, c'est sûr, elle a imposé de célébrer Pessah en été,
au printemps, elle a imposé de célébrer de les fêtes de Tishrei, de les célébrer justement quand ça commence l'automne, Tkufat Hashana, la fin, quand ça va être le passage de la Tkufat Tamuz à la Tkufat, ce qu'on appelle la Tkufat Tamuz, c'était l'été, et quand c'est le passage maintenant, la Tkufat Tishrei, là-bas on fait les brachot sur l'eau. Donc vous comprenez bien qu'il faut garder ce, d'un côté, calculé selon le calendrier lunaire, mais d'un autre côté, selon un cycle aujourd'hui préétabli, mais qui était initialement pas préétabli, décider chaque année, est-ce que cette année on allait rajouter un mois supplémentaire, un deuxième mois de Hadar, le fameux Hadar Bet. D'accord ? Donc, à l'époque, ce qui se passe aujourd'hui, on a un calendrier préétabli. C'est grâce à Hillel, le Pa Hillel Hazaken, son descendant, je ne sais pas si c'est un petit-fils, il a établi, avant de partir en exil, il a établi un calendrier pour toutes les générations et il a sanctifié toutes les années. Donc maintenant, aujourd'hui, il nous a établi un calendrier fixe. Mais initialement, il n'y avait pas de calendrier fixe. Chaque année, on se mettait à décider, selon plusieurs paramètres évoqués dans la Sechet Sanhedrin. On parle longuement pour expliquer. Des fois, on remarquait qu'il n'y allait pas avoir assez de moutons, de petits moutons pour faire le Korban Pessah. Alors, on décidait peut-être, selon différents facteurs, on décidait d'ajouter une année supplémentaire. On avait vendu que les routes, elles étaient toutes cabossées. Ceux qui allaient venir à Yerushalayim n'allaient pas pouvoir venir. Eh bien, on décidait de rajouter un mois supplémentaire. Comme ça nous laissait un petit mois de printemps, de passage entre l'hiver et le printemps, pour réparer les routes, que les gens puissent monter à Yerushalayim de manière aisée. D'accord ? Donc, chaque année, on décidait, est-ce que oui, est-ce que non. Maintenant, jusqu'à quelle limite pouvait-on s'asseoir au Bet Din, au Sanhedrin, pour décider ? Alors la Mishnah vient nous enseigne. Hem eidu shemabrim et hashana al tnai. Non, juste avant, excusez-moi. Hem eidu shemabrim et hashana bechol adar. Ils ont témoigné aussi qu'on pouvait décider de rallonger, d'ajouter le mois de Hadar pendant tout le mois de Hadar, c'est-à-dire durant tout le mois de Hadar, pour le moment qui est un Hadar Stam, qui va devenir en fait le Hadar Aleph, tant qu'on n'a pas fini le mois de Hadar, on n'a pas encore passé la date du 29 Hadar, eh ben on pourra décider de rajouter finalement dans 2 jours. Eh bien, on ne va pas rentrer dans Nissan, on décrète qu'il y aura un Hadar Bet, le deuxième mois de Hadar. D'accord ? On fait ça dans les mots. Hem et Ido, ils ont témoigné, donc toujours Rabbi Yoshua, Rabbi Papias, Shem Abrim et Hashana Bechol Hadar, que l'on peut rendre l'année bissextile, c'est pas exact, c'est-à-dire rajouter le mois de Hadar, durant tout le mois de Hadar. Tant que le Hadar n'est pas fini, on pourra le faire. Par contre, le 30 Hadar, on ne pourra plus le faire. C'est des raisons, c'est rapporté dans le Bante Noir, ça va trop rallonger, je ne préfère pas l'évoquer. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi il a fallu témoigner ? Shayu Omrim Adapurim. Parce qu'il y avait une rumeur avant leur témoignage qu'on pouvait le faire que jusqu'à Purim. Vous savez bien, c'est-à-dire jusqu'au 15, au 14 Adar plutôt, le Beit Din pouvait décider de décréter un mois supplémentaire. Mais passé le 14 Adar, le 16 Adar, d'un coup on va commencer à réaliser que les routes elles sont pas encore prêtes pour que les Olé Regalim vont venir à Pessah. Alors au début ils disaient que c'était trop tard, on ne pouvait plus s'installer pour décréter qu'on allait faire un deuxième mois de Hadar. Et bien eux ils sont venus, ils ont dit oui, on peut. Pourquoi il y avait des gens qui interdisaient ? Pour la simple raison que Shoalin Belchot à Pessah, Shoshim Yom, pendant 30 jours avant qu'il précède Pessah, il faut commencer à étudier la Lachot. Donc ça veut dire que passé Purim, on est déjà entré dans les 30 jours qui précèdent Pessah. De ce fait, les Rabbanim, ils commencent à parler à la Bet Knesset, Pessah, les Matzot, rechercher le Chametz, chacun faire son ménage. Et d'un coup, donc ça y est, on a commencé à entrer dans l'ambiance, dans le move de Pessah, de Rosh Hashanah Chametz. Alors vous imaginez si maintenant, d'un coup on dira, erreur, on a encore un mois et demi de plus. Les gens, ils vont ensuite avoir au fil du temps, si ça se reproduit, à la longue, on va avoir, quand on va commencer à lancer Pessah, il approche, commencer à chercher le Chametz, on dira, vous vous souvenez, déjà l'année dernière, ils nous ont fait le coup, il y a 2 ans, ils nous ont fait le coup. Bon, on va chercher le Chametz, mais pas tellement. Alors là, non, pour ne pas que... Ça va refroidir l'ambiance de Pessah. Donc c'est pour ça qu'il y avait une rumeur qui disait qu'on pouvait faire le Hibour Hashana, décréter le mois supplémentaire, que jusqu'à Purim. Mais passé Purim, c'était où on ne pouvait plus décréter. Eux sont venus, on dit non, on pourra malgré tout. Les gens, ils vont pas commencer à faire des... ils vont bien comprendre qu'il y a chaque fois des considérations différentes. Ils vont pas commencer à prendre de l'un à l'autre et commencer à devenir un petit peu négligent et nonchalant face à Pessah qui approche. D'accord ? C'est la troisième discussion. Et quatrième discussion, cette fois-ci, il n'y a même pas de discussion en fait. Il y a une halakha d'abord, très importante, qu'on ne peut décider de rallonger le mois de Hadar supplémentaire donc qu'en présence du Nassi. Il y avait les descendants du roi, de David Améler. Après, à l'époque du Beit HaMikdash, c'était Hillel, et il y avait là-bas Rabban Gamliel, et...
Rabban Shimon ben Gamliel. En général, quand vous voyez le nom Rabban au lieu de Rabbi, on l'appelle Rabban parce que c'était là le grand titre qu'on lui donnait. C'était le notre maître. Rabbeinu Kilo. En fait, Rabban au lieu de Rabbi, c'est Rabban, le grand maître de tout le monde, parce que c'était justement le Nassi. Il y a une halakha particulière qu'on ne peut ajouter ce mois de Hadar qu'en présence du Nassi. D'accord ? De ce fait, alors, qu'est-ce qui se passe si le Nassi n'est pas à Yerushalayim ? Il est parti ailleurs. Donc il n'est pas là, il est à l'étranger par exemple, mais finalement ils se sont déjà, les rabbanim, ils ont commencé à se soucier qu'il n'allait pas venir, ils n'allaient pas pouvoir juger facilement devant lui. Comment est-ce qu'on va pouvoir décréter le mois supplémentaire malgré tout? Eh bien, ils ont témoigné qu'on pourra ajouter l'année, le mois supplémentaire, altnai, en le conditionnant, c'est-à-dire, on se réunit, nous les rabbanim, on commence à débattre de la question et on regarde les paramètres, les différents facteurs qui font qu'on a décidé qu'on va décréter l'année, qu'on va ajouter le mois de Hadar. Maintenant, on ne va pas se permettre de décréter que l'année, elle va avoir un mois supplémentaire, parce qu'on a besoin d'une assise, mais on va le décréter sous condition. On prépare tout le contrat, on attend le Nassi qui vient et qui met son tampon à la fin. D'accord ? Ça fait que dès qu'il va venir, il va arriver le Nassi, le grand maître de la génération, le dirigeant, quoi. Dès qu'il va arriver, on va lui dire, écoute, on s'est installé, on a jugé, on a regardé tous les paramètres, on a décidé que c'était nécessaire, voilà les points qui ont été avancés, tu es d'accord? Il va nous dire oui, en 2 minutes, on fait sortir tout de suite le carrosse, on diffuse la nouvelle qu'on aura un mois supplémentaire, et ça marche, on peut le faire comme ça, d'accord? Donc, ils ont témoigné qu'on pouvait malgré tout, en l'absence du Nassi, du grand maître, on pouvait malgré tout rendre l'année bissextile sous condition. Et d'ailleurs, ça s'est produit le cas. Et d'ailleurs, il y a eu le cas qui s'est représenté avec Rabban Gamliel, qui était lui le Nassi à son époque. Shalach l'Etol Rechout, il était parti demander une permission spéciale, Mehegmon, d'un grand dirigeant. Ils étaient sous domination romaine en fait. Donc il y avait le dirigeant romain qui était en Souria, en Syrie. Et il était parti là-bas lui demander une certaine permission pour se permettre de diriger. D'accord, c'était là, il y avait eu un changement de rôle. Et Veshahal Avo, et ça a trop traîné pour qu'il revienne. Et les rabbanim, qui étaient, j'imagine, à Yerushalayim, ils étaient là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On doit décréter. Donc du coup, ils se sont installés. Ils ont décrété que l'année allait être bissextile, mais comme on s'en a dit, Altnai. Et ensuite, Veibruet Hashana Altnai, Nirsheirtse Rabban Gamliel. Et donc, ils ont décidé de décréter que l'année aura un mois supplémentaire, à condition que le voudra Rabban Gamliel. Et effectivement, Ursheba, et quand il est revenu Rabban Gamliel, Amar Rotsani, il a dit, bien sûr, j'atteste, je suis d'accord. Venimtset Hashana Meuberet, et il s'est avéré, justement, que l'année, elle a été décrétée comme Meuberet, même si Rabban Gamliel n'a pas participé lui-même dans le Massa ou Matan. Il n'a pas pris part au jugement, au délibéré, enfin, au Rabbanim qui était là en train de débattre. Malgré tout, il est juste venu, il a donné son accord, et ça a suffi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et une Khatima Tova à tous. Il se retrouve chez nous et Kol Tov Salam.